Dans l'épisode 6 de Mariés au premier regard 2024, Ludivine et Raphaël font leur entrée, et les surprises ne manquent pas. Ludivine, célibataire depuis 7 ans, accorde une grande importance aux critères physiques de son futur mari, notamment en ce qui concerne sa taille. Elle répète à plusieurs reprises que cela compte énormément pour elle. Cependant, Raphaël, avec une compatibilité de 77%, ne répond pas exactement aux exigences de Ludivine. Mesurant seulement 1m78, il est en dessous de la taille minimale de 1m85 qu'elle avait souhaitée. Sa sœur, consciente des attentes de Ludivine, s'inquiète en le voyant arriver. Elle murmure à son amie, « Il n'est pas très grand. » Mais Ludivine, quant à elle, confirme, « Mais c'est ça, je n'ai pas l'impression qu'il fasse un M78. » La sœur de Ludivine poursuit en déclarant, « Il est élégant. Il porte très bien le costume. Il a des épaules, il a une carrure. Mais il fait un M78. Ce n'est pas très grand un M78 pour un homme. » La meilleure amie de la mariée partage également son inquiétude, « Je suis en stress parce que je connais Ludivine, et je sais que pour elle, le fait qu'il soit grand est très important. Elle peut dire non. » Ludivine, de son côté, exprime ses espoirs et ses craintes, « Je suis célibataire depuis 7 ans. J'en ai marre. J'ai envie d'avancer, de construire, d'avoir des enfants. J'ai envie d'avoir mon foyer, de me poser. J'espère qu'il me trouvera séduisante, belle, qu'il comprendra qui je suis. J'espère qu'il va me plaire. » Mais je sais que s'il ne correspond pas, physiquement, aux critères que j'aurais souhaité, notamment au niveau de la taille, je sais que c'est rédhibitoire. La question demeure, dans cette saison où un ou une participant dira non, Ludivine fera-t-elle partie de ceux ou celles qui prendront cette décision ? Affaire à suivre.